musicien traditionnel un peu fantastique. Et on joue aussi une musique imaginaire. Imaginaire, voilà. On s'est toujours dit qu'en fait on passerait après la femme à barbe et juste avant le nain qu'on lance ou le monteur d'ours. On préfère assumer ce côté-là et donc du coup l'introduire un peu dans notre musique et puis un peu dans notre spectacle puisqu'il y a un petit côté spectacle. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on a appris dans la rue et qu'on aime beaucoup, c'est que des fois, surtout en fait quand t'es dans la rue et que tu veux que les gens s'arrêtent, attirer un peu l'attention, en fait t'es forcé de, c'est comme si t'avais des ruses quoi, des stratagèmes, bah, c'est d'aller interagir avec les gens. Et du coup c'est vrai que bah, le duo dupe c'est de la musique, mais c'est aussi ça. Concrètement, donc on a des compositions, mais on joue aussi, enfin notre répertoire il est quand même enfin, principalement constitué de thèmes traditionnels. Donc nous on est plutôt sensible à la musique des Balkans, et donc c'est des thèmes traditionnels qu'on adapte en fait à notre univers à nous, et puis surtout à la formule du duo qui est à la fois une formule un peu intimiste, et donc on... Enfin, c'est un vrai choix en fait d'être à deux.